les accueillir aujourd'hui dans mon jardin. Donc là, plus exactement, je suis sur ma terrasse. Vous voyez, il fait un temps vraiment exceptionnel. Je suis heureuse de pouvoir sortir certains de leur confinement actuel avec ce live. Voilà. Donc, du coup, j'ai mon téléphone. Je répondrai donc au fur et à mesure de ce live comme je peux à toutes vos questions. On va essayer d'être pas trop long, donc moins d'une heure. Je suis avec vous pendant moins d'une heure. Pendant cette heure, je vous propose de vous expliquer un petit peu comment on cultive, on sèche et on crée des infusions avec des plantes aromatiques. Voilà, j'ai choisi pour ça trois plantes. Je pense que c'est vraiment des plantes du moment. C'est pour ça que j'ai choisi. Elles vont vous donner un petit peu un côté tonique, elles vont vous donner de la vitalité, de la fraîcheur. Donc j'ai choisi l'ortie, la menthe verte et le romarin. Donc on fera une infusion avec ces trois plantes. Mais pour l'instant, ça c'était le petit bonus de ce live. Je vous propose de démarrer une recette de cuisine. Donc on va aller dans ma cuisine et je vais vous expliquer donc cette recette qui est une soupe d'ortie à la menthe et à l'ail. Donc je vous propose de retrouver les ingrédients tout de suite et on se rejoint en cuisine. Donc, bienvenue dans ma cuisine. C'est la première fois que j'accueille autant de monde dans ma cuisine parce que notre maison est très petite et du coup, c'est vrai que ça m'impressionne d'avoir tout ce monde dans ma cuisine. Merci d'être là. Donc, comme je disais à l'extérieur, j'espère que vous m'avez bien entendu parce que je crois qu'il y avait beaucoup de vent et donc c'était pas forcément évident de tout bien entendre. Donc, je répète. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des infusions. Mais pour commencer, on va faire une recette de cuisine. Et pour ça, j'ai choisi des plantes du moment, des plantes de saison que je viens de cueillir. Donc vous pouvez voir mon petit panier, oups, avec l'ail qui est trop grand qui tombe. Donc ça, c'est de l'ail. Je ne sais pas si les gens connaissent tous l'ail. En fait, c'est de l'ail, du jeune ail, qui n'est pas encore en train de se transformer en tête d'ail, mais en petite gousse d'ail. Voilà, donc c'est tout frais, on mange juste que le vert. La tête et le vert, et du coup, on peut le remplacer si vous n'en avez pas par de l'ail des ours ou même de la ciboulette. Vous pouvez donc aussi voir des belles pousses de menthe. Là, c'est la menthe verte qui vient de sortir, et puis j'ai ramassé les jeunes pousses d'ortie pour faire donc une soupe à l'ortie. Voilà. Alors, donc pour commencer cette soupe, j'avais préalablement épluché des pommes de terre. J'ai laissé les pommes de terre dans l'eau. Donc ça, c'est une petite combine pour pas qu'elles noircissent. Parce qu'en attendant que vous arriviez, je voulais pas qu'elles noircissent. Donc on va couper les pommes de terre. Hop. Grossièrement, on fait une soupe, hein, donc on se prend pas la tête. L'idée, c'est qu'on va faire revenir tous les légumes et les herbes donc dans l'huile d'olive avant. Donc là, je coupe les pommes de terre. Et ensuite, je vais faire en sorte de les faire revenir dans de l'huile, donc dans ma casserole qui est là. Alors, hop, donc vous pouvez faire chauffer votre casserole. Voilà, donc vous retrouverez tous les ingrédients hein, après, vous inquiétez pas, mais je vous dis au fur et à mesure. Donc, moi en fait, en gros, j'ai fait un bon panier d'ortie, j'ai ramassé quelques têtes de menthe. Donc là, j'ai quatre grosses pommes de terre, j'ai trois ailés. Voilà. Donc, on met une bonne dose d'huile d'olive. Moi, je mets toujours plein d'huile d'olive et de beurre parce que c'est très très bon. Là, j'ai pas de beurre cette fois-ci pour cette recette, mais c'est pas indispensable. Donc, ensuite, on va préparer l'ail. Alors, l'ail, en fait, on le cueille comme ça. On va juste enlever les feuilles un peu jaunes, mais sinon, il va vraiment se manger dans sa globalité, surtout dans une soupe. Il n'y a pas trop de problème, on va tout broyer, donc on peut tout mettre. Hop, et les restes, c'est pour les poules, évidemment, parce qu'ici, on garde tout, il n'y a pas de déchets. Voilà, donc on épluche l'ail, on enlève cette petite partie un peu dure.
qui sera en fait la pellicule sur la gousse d'ail après. Donc c'est pareil, je hache grossièrement mon aillé. On va jusqu'aux feuilles qui sont un peu jaunes, on met de côté. Et hop. Donc avant, ouais, enfin c'est bon, on peut mettre déjà ça dans la casserole. Hop. On va baisser un peu le feu parce que ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va quand même préparer. Donc on va extraire notre menthe. La menthe, on va la réserver, on la mettra après. Hein. Hop. Donc en fait, les orties, je les ai ramassées propres. Hein. J'ai veillé à ce qu'il n'y ait pas de saleté dessus, donc on va pas les laver, c'est pas la peine. Il faut faire attention à toujours ramasser les orties dans des endroits non pollués. Parce que l'ortie se nourrit vraiment de tous les minéraux du sol, il puise tout ce qu'il y a, donc si vous ramassez sur un sol pollué, c'est pas bien pour votre santé. L'ortie, on le ramasse vraiment juste à hauteur, juste la petite tête là qui est toute fraîche, qui vient de sortir et qui est très tendre. Voilà, donc on va vider tous ces orties dans notre casserole qu'on va faire revenir avec le reste. Ça pique un peu les doigts, mais ça fouette le sang, ça fait du bien. Hop! Donc, je prends une cuillère, on va faire revenir ça doucement, un petit peu comme des épinards l'ortie. Hein. Alors vous voyez, j'ai laissé un peu de tige, mais c'est pareil, c'est une soupe, en plus c'est des jeunes têtes, donc c'est assez tendre. Voilà, l'idée c'est que ça revienne un petit peu, là il y a une petite saleté, on l'enlève. Voilà, donc... Ça va réduire tranquillement. Et pendant ce temps-là, on va préparer notre eau. Donc, en fait, l'idée, c'est de couvrir juste au-dessus des feuilles d'ortie. Il ne faut pas mettre trop d'eau parce que sinon, ça va être très liquide. Alors, on a mis des pommes de terre qui vont apporter une onctuosité. Mais c'est vrai que quand même, l'idée, c'est quand même de faire en sorte que ça ne soit pas trop liquide. Donc, on ne va pas mettre trop d'eau. Donc moi, je ne peux pas vous dire la quantité exacte, ça dépend du nombre d'orties que vous aurez, mais c'est un truc à se rappeler, c'est qu'en fait, vous mettez juste au-dessus. Voilà, donc on va mettre un peu de sel aussi. On peut rajouter toutes les épices qu'on veut, hein. On peut rajouter aussi d'autres sortes d'herbes. Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est des petites herbes aromatiques que je confectionne, je cherche mon mélange, voilà. Donc là, j'ai un petit mélange d'herbes de Provence, hein, tout simple. Donc je vais en mettre un petit peu, ça va parfumer en plus, hein. Voilà. Moi, j'utilise jamais de bouillon cube, donc du coup, il y a beaucoup d'herbes aromatiques et d'épices dans ma cuisine. Mais par contre, on peut aussi faire ses bouillons soi-même. En ce moment, on a le temps. Bouillon de poule, c'est facile à faire. Voilà, donc avant de mettre de l'eau, on va remélanger un petit peu. Voilà, vous voyez, les orties ont commencé à fondre un peu comme des épinards. Hop. C'est important de toujours faire revenir ces légumes quand on prépare une soupe. Parce que l'idée, c'est qu'ils prennent bien le goût des épices, des herbes, avant qu'on mette l'eau. Voilà. On couvre. Voilà. Alors là, je ne suis pas sur les questions, donc si vous en avez, je vais les prendre après. Voilà. Et là, on va laisser cuire 20 minutes. Et la menthe, on verra après, on la rajoutera après. Voilà. Donc on laisse cuire, pas feu trop fort, 20 minutes. On y reviendra. Voilà pour la soupe. Donc je regarde juste si j'ai des milliers de questions. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Je ne vois pas de questions. Enfin, en tout cas, pas de questions pour l'instant qui soient dans l'urgence. J'y répondrai après si vous avez vraiment beaucoup de questions. Ne vous inquiétez pas, je serai là même pour vous répondre à l'écrit. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu des plantes qui sont la menthe, l'ortie et le romarin. Donc c'est des plantes que j'ai sélectionnées parce que je pensais qu'en ce moment on avait besoin d'un petit coup de boost, de quelque chose un petit peu pour nous revitaliser, pour nous remettre d'aplomb pour attaquer la nouvelle saison parce que le printemps a démarré. Donc je voulais vous parler de ces trois plantes-là. Donc, comme je vous le disais, on va parler de l'ortie. Donc là, j'ai de l'ortie sèche, du romarin qui a été cueilli déjà cette année, parce que le romarin est en fleur depuis un certain temps. Donc,
Ça sent délicieusement bon. Du romarin. Et j'ai pu commencer à faire sécher un petit peu de menthe verte. Donc là, vous avez ma première menthe verte de la saison qui a séché cette semaine. Je voulais démarrer par donc la préparation d'une infusion. En fait, elle se prépare sur un long temps parce qu'il y a d'abord la culture des plantes. Donc ces trois plantes ne sont pas des plantes que je cultive toutes les trois. En fait, l'ortie, je le ramasse dans la nature. Mais par contre, le romarin et la menthe, ça, c'est des plantes que je cultive. Donc pour l'ortie, eh ben, ça pousse naturellement dans la nature. Donc là, c'est à votre guise. Même dans votre jardin, vous pouvez en trouver. L'idée, c'est comme je le disais tout à l'heure, l'ortie, on ramasse la tête d'ortie, la jeune pousse. Donc on va ramasser cette jeune pousse à peu près à partir de début mars jusqu'à mi-mai. Voilà. Après, elle va monter et elle sera moins tendre, moins bonne. Ensuite, on a le romarin. Donc le romarin, ça c'est une plante que je cultive ici, qui a besoin d'un sol assez drainant, d'un sol qui en fait permet que l'eau voilà, passe facilement parce que ça n'aime pas être trop dans l'humidité. Je regarde juste, j'ai des questions visiblement. Comment ramasser les orties sans se faire mal? Alors oui, je reviendrai à la cueillette de l'ortie après. Comment, tac, pour les bouillons, je vous dirai, quels sont vos conseils pour faire hop, ok, comment les faire sécher? Bon, les séchages, j'en parlerai aussi après. Donc, je continue. Donc, pour le romarin, il faut, en fait, dans l'esprit, ça pousse en Méditerranée, donc voilà, un sol drainant, plein soleil. Moi, j'ai toutes mes aromatiques méditerranéennes sont en plein soleil, et là, ça va lui donner tous ses arômes. Ensuite, la menthe. Alors, la menthe, là, contraire du romarin, il faut un sol humifère, un sol qui soit toujours un peu humide, parce que c'est vrai que, en fait, ça permet à la menthe de se développer plus facilement. Alors, la menthe, c'est très envahissant, donc je vous conseille de le mettre dans un coin de jardin réservé pour la menthe. Moi, après, je cultive différents types de menthe. Je fais la menthe poivrée, qui est très chargée en menthol. La menthe verte est beaucoup plus douce et du coup, apportera une autre note à notre infusion. Donc l'ortie, pour le cueillir sans se piquer, bah moi j'utilise des gants. Parce que de toute évidence, si on ne veut pas utiliser de gants et si on ne met pas des bottes, on se pique les jambes. Moi j'ai fait l'expérience tout à l'heure en cueillant l'ortie. Je n'avais pas de bottes et je me suis piqué les jambes. Donc oui, l'ortie en fait est très urticante. C'est une des seules plantes qui est autant urticante. En fait, c'est une plante qui est urticante parce que les petits poils qui vous caressent la main et qui vous font de délicates brûlures, en fait, sont chargés de venin, tout simplement. C'est des petites ampoules et du coup, ça explose et ça vous met du venin dans les doigts, dans les mains. Donc, c'est pas très agréable, effectivement, et ça peut durer longtemps. Pour ce qui est de la cueillette du romarin, et là c'est valable pour toutes les méditerranéennes, il faut toujours ramasser les jeunes tiges. C'est-à-dire qu'il faut éviter de ramasser les bois de l'année d'avant, c'est-à-dire le vieux bois. Parce que si on coupe un peu trop loin dans la plante, malheureusement la plante ne repoussera pas correctement. Donc du coup il faut veiller à ça. Pour la menthe, là c'est très facile, c'est vraiment une cueillette très simple. Là on va ramasser la menthe. Donc les jeunes têtes de menthe ou même la menthe fleurie au sécateur, voilà, pareil, on évitera de couper la vieille branche, on va aller un peu au-dessus. Voilà, donc ça c'est pour les cueillettes et pour la culture. Donc l'ortie, le romarin, la menthe, ce sont des plantes que je fais sécher toutes les trois dans mon séchoir. Donc pour faire sécher des plantes, il est très important d'être dans un lieu approprié à ça. Excusez-moi, je fais un petit break pour boire l'eau. Donc moi j'ai la chance, mais c'est parce que c'est mon métier, d'avoir un séchoir. Mais en fait les conditions après c'est toujours la même chose. Donc vous pouvez le faire chez vous sans problème. Il faut du noir, impérativement du noir, parce qu'en fait sinon vous n'auriez pas ces jolies couleurs, vous voyez. On est sur des plantes qui sont toutes les trois vertes, mais on n'a que des teintes de vert différentes. Parce qu'en fait, tout simplement, elles ont été séchées dans le noir complet et elles n'ont pas du tout été altérées au niveau de la couleur. Là, elles sont conditionnées dans des pots en verre, mais c'est très mauvais de faire ça si ce n'est pas dans un séchoir. Moi, je les ai sorties pour ce live, mais normalement, ces plantes devraient être dans le noir complet, donc elles sont normalement dans mon séchoir. Ensuite, pour sécher, il faut moins de 60% d'humidité. Il faut de l'aération en dessous des plantes, donc moi, je les pose sur des grandes clés de séchage avec de la moustiquaire, ce qui permet de laisser passer l'air. Et il faut aussi faire en sorte, donc j'ai dit, oui, que la température ne soit pas trop froide et pas trop chaude. Parce que l'important aussi, c'est de ne pas cramer la plante. C'est-à-dire qu'elle va sécher doucement, lentement. Ça, c'est vraiment
le procédé d'un séchoir comme le mien, c'est vraiment de faire un séchage lent. Si vous essayez de sécher vos plantes dans des petits déshumidificateurs, là qu'on achète des hydrateurs, je crois qu'on appelle ça, pour les fruits et les légumes, c'est pas une bonne idée parce que déjà il y aura de la lumière qui va passer. Et ensuite, ça va sécher très fort et du coup, même si votre plante va avoir du goût, elle va perdre beaucoup de qualité et de propriété, donc c'est vraiment dommage. Un séchage lent est donc recommandé et surtout pas au soleil. Alors après, pour le séchage à la maison, moi ce que je conseille, c'est ou vous faites des petits bouquets, pas trop épais, ou vous créez vos petites clés, ou vous mettez par exemple dans une passoire ou quelque chose qui peut servir de clé, et vous enfermez tout simplement vos plantes dans un placard. Après, attention, évidemment, si vous avez une maison très très humide, si vous vivez dans un troglobite par exemple, ça peut arriver, eh bien là, la plante, elle va pas du tout apprécier, donc c'est même pas la peine d'essayer. Mais c'est vrai que dans des maisons classiques, qui sont bien aérées, etc., bien ventilées, normalement, il n'y a pas de problème, vous mettez ça dans le noir ou dans un placard, ça séchera très bien. Donc ça, c'est pour la partie séchage. Ensuite, pour conserver ces plantes, une fois qu'elles sont sèches, elles peuvent se conserver jusqu'à 2 ans. Moi, en général, je les garde moins parce que malheureusement, je les vends trop vite. Enfin, malheureusement, heureusement, mais surtout, j'ai une grosse demande et du coup, elles partent très vite dans une production comme la mienne. Mais tant mieux, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est dans l'année qu'elles seront pleines de vertus et qu'elles seront de grande qualité. Voilà, donc ça, c'est pour la plante sèche. Je vous parle quand même très rapidement de la conservation de la plante fraîche. Toujours pareil, moi je pense que toutes les plantes se gardent très bien comme ça. Vous les mettez dans le bas du frigo, dans un linge humide, et normalement vous ne devriez pas avoir de problème, ça va se conserver pendant au moins une semaine. Par contre, c'est vrai que le romarin, le thym sèchent très vite, donc même dans un petit pot à la maison, vous pouvez le laisser sur le bord de la cuisine et ça séchera et ça sera parfait. Voilà. Donc, pour créer une infusion, moi, je me base toujours quand même un petit peu sur. Attendez, excusez-moi, je vais faire peut-être un tour de questions. Excusez-moi, j'oublie les questions. Donc, il y a Lorena qui me demande comment ramasser les orties sans faire mal. J'ai répondu. Cathy, quels sont vos conseils pour faire un bouillon maison? Bon, je vous le dis très rapidement pour le bouillon, même si on n'est plus dans la partie cuisine, c'est pas grave. En fait, moi, ce que je fais, c'est que pour un bouillon de poule, je récupère la carcasse de la volaille qu'on a mangée, par exemple, en poulet rôti, même une pintade, peu importe, une volaille. Et en fait, je la mets dans 2 litres d'eau. Et dedans, en fait, je mets plein d'herbes, tout un assaisonnement d'herbes, d'épices, du poivre, du clou de girofle, du laurier. Après, les herbes, c'est vraiment comme bon vous sentez, tout ce que vous avez sous la main. Vous mettez une carotte, un oignon, et puis vous laissez couvert, en fait, comme une sorte de décoction. Vous laissez pendant 1 heure sur le feu, et ça va venir prendre tous les arômes de la volaille et des herbes, et vous allez avoir un très bon un bouillon de poule que vous pourrez utiliser pour faire un risotto ou autre chose. Voilà. Donc un bouillon maison, c'est très simple, il suffit juste d'utiliser les restes en fait. Autre question. Cathy, comment les faire sécher? Donc j'ai répondu. Question de Corinne, comment faire une infusion pour digérer? Alors, en fait, là, l'infusion que je vais faire, elle peut être très bien pour la digestion parce qu'on a la menthe verte qui sera parfaite pour la digestion. Elle est connue pour la mauvaise haleine, pour les flatulences, voilà, donc ça en dit long. La menthe verte, c'est parfait pour la digestion. Donc, si vous êtes attentive à cela, vous pourrez voir donc la création de l'infusion très bien pour ça. Sinon, j'ai du fenouil qui est juste là, parfait pour la digestion, vraiment très bien. Comment soigner Ah oui. Après une brûlure d'ortie, le plantain est très bien. Normalement, on en trouve du plantain lancéolé qui pousse donc un petit peu partout. En général, quand il y a de l'ortie, il n'y en a pas loin. Vous prenez du plantain, vous l'écrasez et vous mettez sur votre brûlure, que ça soit une piqûre d'abeille, de guêpe ou de l'ortie. Normalement, ça peut faire effet. Après, c'est quand même pas ultra puissant, donc là on va plus rentrer sur d'autres produits naturels, mais moi je suis pas trop dans le côté médicinal, donc voilà, je connais pas. En tout cas, moi mon remède c'est de ne rien faire et juste d'avoir mal. Mais bon, voilà. Ensuite, question de Véro. Bonjour, comment conserver ce bouillon de volaille? Eh bien écoutez, vous pouvez tout simplement le mettre dans le congélateur, moi c'est ce que j'ai fait encore avant-hier. Déshydrater le bouillon, je ne pense pas, parce que ce bouillon est liquide, donc à mon avis, comme c'est beaucoup d'eau, ça va être compliqué. Mais par contre, en fait, moi, pour remplacer les bouillons, visiblement, c'est une question qui intéresse souvent les gens d'ailleurs. En fait, je crée des bouillons moi-même pour la cabane à plantes,
En fait, c'est de la poudre de plantes à faire infuser et ça remplace un bouillon cube. C'est juste que c'est que des plantes. Là, par exemple, dans ce mélange-là, j'ai mis du cèpe. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oh, ça fume. C'est magique. Donc, il y a du cèpe, du persil, de l'ortie. Voilà. Donc, ça va remplacer un bouillon à faire infuser, en fait, comme une infusion. Mettez vos plantes dans de l'eau, vous faites infuser 20 minutes et après, vous utilisez cette eau pour vos soupes et autres mets à base de bouillon. Donc, on revient à nos infusions. Moi, je m'intéresse donc d'abord au goût des plantes. Là, par exemple, pour l'ortie, on est sur quelque chose de très. Enfin, c'est un goût de verdure, il y a plein de chlorophylle, donc c'est très fort. Ça va avoir un goût assez puissant. Mais le romarin est encore plus puissant. Donc là, on va avoir carrément un goût camphré, on va avoir un goût même un peu piquant. Donc voilà, le romarin est très puissant, ça va apporter une puissance même plus forte que l'ortie. Donc du coup, moi, après, je réfléchis en pourcentage. Voilà, je me dis, je vais baisser un peu le feu. Je me dis, si j'ai un romarin qui est très fort et un ortie qui est puissant mais qui va être moins puissant que le romarin, je vais mettre moins de romarin que d'ortie pour quand même avoir le goût des deux plantes. Et puis bah, là-dessus, j'ai ma menthe verte qui, elle, va être un petit peu plus timide dans ses gros goûts puissants que sont l'ortie et le romarin. Mais en même temps, c'est un goût très agréable, très frais. Il va y avoir aussi ce côté un peu chlorophylle de l'ortie. Et puis après, ça va apporter une note un peu sucrée. Donc la menthe verte, ça va vraiment être le côté qui va apporter une rondeur à cette infusion et qui va nous faire apprécier plus l'infusion. Parce que c'est vrai que si on part sur une infusion que d'ortie ou que de romarin, par exemple, c'est fort, quoi. Ça va être très puissant. Et quand on n'est pas habitué forcément au goût des plantes, on va avoir du mal à apprécier une infusion comme ça de plantes seules. Ça va même peut-être nous rappeler parfois un médicament ou voilà. Donc moi c'est pour ça que je crée surtout des mélanges. Donc là vous voyez vous avez des exemples. Ici j'ai créé une infusion avec de la rose de Damas, mais j'ai aussi ajouté du tilleul, de l'agastache. Là comme une hirondelle, il y a de l'ortie, mais j'ai aussi rajouté de la violette, de la reine des prés qui vont amener une petite sucrosité sympa. Donc pour cette infusion-là qui va vous donner un peu le peps, on va mettre de l'ortie, du romarin et de la menthe verte. Donc moi ce que je fais c'est que je prends ma petite balance, je vais prendre un petit pot, on fait la tare évidemment, donc c'est une balance de précision. Donc là par exemple pour une infusion comme ça, ce que je vais essayer de faire c'est que je vais mettre à peu près on va dire, alors, je ne sais pas si je vais vous faire les calculs en pourcentage parce que après ça va être compliqué, mais en tout cas, je vais mettre à peu près 30% d'ortie pour 10% de romarin, et puis la menthe, je vais en mettre au moins 40% pour bien la sentir. Donc après, bah, vous faites votre mélange comme vous pouvez. Alors évidemment, là on parle de plantes sèches pour la conservation longue, mais si vous avez ces plantes-là en fraîche, vous pouvez très bien faire cette infusion avec des plantes fraîches, il n'y a aucun problème. En fait, la meilleure infusion, c'est celle qu'on va cueillir dans son jardin, qu'on dépose dans la théière et qu'on boit tout de suite après. C'est vraiment la meilleure. Mais évidemment, les plantes, l'idée, c'est de les conserver tant qu'on les sèche. Voilà. Donc, pour faire une infusion, moi, je laisse toujours mes plantes entières. Vous voyez, là, on a l'ortie. Donc, la plante, elle est bien entière. J'ai pas du tout éliminé la tige ni quoi que ce soit. Parce que si on veut vraiment le goût des plantes, il faut absolument avoir la plante dans sa globalité. C'est très important. Donc là, je partais sur 20%. Donc là, par exemple, je vais mettre 2 grammes parce que je ne vais pas faire une énorme tisane. Donc on va mettre 2 grammes. Et les plantes, c'est très léger. Vous allez voir, je vais avoir une grosse quantité pour très peu de plantes. Du coup, hop, là, j'ai mis 2 grammes. On partait, donc là, je vais mettre 1 gramme de romarin. 10% de romarin. Je ne me prends pas trop la tête pour les calculs, j'ai fait au plus simple. Voilà. Et ensuite, pour la menthe, je partais sur 40, donc on va mettre 4 grammes de menthe. J'espère que je les ai. Voyez comme c'est beau ce vert-là. Elle est toute nouvelle, cette menthe, elle est magnifique. Voilà, donc là, on a notre petit mélange. J'espère que vous voyez bien. Hop, je regarde vos questions maintenant. Donc, vous voyez, on va mélanger les plantes comme ça. Alors, quand on les mélange, on les broie un petit peu. Hein. Comme ça permet de faire un mélange un petit peu bien mélangé, un mélange bien mélangé. Donc, alors, on a une odeur, une puissance avec la menthe et l'ortie romain, c'est génial. Donc, vos questions.
Vous avez une recette de bouillon végétarien? Bon, alors les bouillons, on en parlera après. Comment bien associer les fleurs et les plantes pour une infusion? Donc, bah, l'idée, c'est, comme je le disais, au niveau du goût, de trouver. Voilà. Moi, c'est vrai que, bien évidemment, je ne pars pas non plus sans penser aux vertus. Là, je vous disais, moi, j'ai choisi des plantes qui vont bien ensemble parce que ça va plutôt être une infusion. C'est vrai qu'on ne va pas boire en fin de journée. Ça va être une infusion de l'après-midi ou du matin. Donc, un peu tonique, revigorante, voilà, qui donne la pêche. Et du coup, j'ai choisi ces plantes, pas par hasard, mais pour cette raison-là. En fait, voilà comment on confectionne une infusion. L'idée, c'est vraiment de partir d'abord des vertus. Mais moi, je mets vraiment un point d'honneur à faire en sorte que ça ait un goût intéressant. Parce qu'on n'est plus dans le pisse mémé. Maintenant, on est quand même dans l'infusion un peu hype, un peu sympa, où on peut se faire plaisir aussi, pas juste prendre des plantes pour se soigner. Et en plus, on est quand même dans une période où on est gros fan de thé, etc. Parce que justement, on redécouvre l'infusion d'une façon différente et c'est intéressant. Donc, moi, je vais d'abord aussi penser au goût. Et puis après, là, on a une infusion qui est toute verte. Donc, c'est peut-être un peu triste. Donc, moi, je vous ai caché quelque chose. Là, j'ai mis des petits pétales de bleuet. Donc, voilà, on va rajouter un peu de couleur comme ça. Et là, ça va être tout de suite super joli, quoi. Donc, voilà. Voilà comment on fait une infusion, en fait. C'est en pensant aux vertus, au goût, à la beauté aussi, dans un paquet. Vous voyez, moi, j'essaie de faire quelque chose de joli comme ça à chaque fois qu'il y a de la couleur. Voilà. Après, donc pour vos questions, où peut-on se procurer vos infusions? Alors, bah ça c'est une bonne question, je vais le rappeler à la fin de ce live. En fait, moi, je travaille en Touraine, je suis installée donc en Touraine, à Sennevières, dans un petit village dans le sud de la Touraine. Et bien sûr, je travaille énormément en local parce que l'idée c'est que moi je suis sur une toute petite surface, voilà, j'essaye de travailler à taille échelle humaine. Je travaille avec mes mains, j'ai pas de tracteur, tout ça. Je travaille à la grelinette surtout. Et donc, je travaille avec des épiceries locales, avec des magasins de producteurs. Je fais les marchés, tous mes marchés de printemps, comme beaucoup d'événements sont annulés cette année. Donc, en fait, là, cette année, j'ai décidé de vendre principalement mes produits sur mon site internet, donc lacabaneaplantes.fr. Et donc, vous pourrez retrouver tous mes produits, mais pour l'instant, avec aussi ce qui se passe, j'ai pas encore. En fait, proposer mes produits à la vente parce que c'est très compliqué au niveau des livraisons. Et donc, je préfère attendre, surtout que tous mes produits ne sont pas encore prêts. Donc là, en fait, je suis en train de confectionner des bons produits et vous pourrez les retrouver en ligne. Autre question. Donc, Nadia, peut-on vous acheter des infusions? Donc oui, sur le site La Cabane à Plantes, vous pourrez. Cassandra, peut-on prendre régulièrement les mêmes plantes en tisane sans risque? Alors, moi je pense, je pars du principe que tout ce qui est pris avec beaucoup d'excès, c'est-à-dire n'importe quoi, hein, que ce soit la viande, le vin, les plantes, tout, c'est mauvais pour la santé en fait. Il faut être raisonnable dans sa consommation d'une façon générale. Donc oui, si vous prenez tous les jours, par exemple du romarin, ça va avoir à un moment donné un impact sur votre santé. Il faut faire très attention avec les plantes, il faut bien se renseigner. Moi, je sais pas mon métier, je suis pas herboriste, je suis juste cultivatrice, paysanne, cueilleuse. Donc, je peux pas donner voilà, des éléments au niveau médicinal. Mais par contre, je sais que rien n'est bon avec excès. Donc, faites attention. Et surtout, sur les plantes type sauge, armoise, qui là vont jouer sur les hormones. Et du coup, c'est très important, surtout pour les femmes, de ne pas prendre ces plantes-là avec excès. En tout cas, si vous les prenez avec excès, c'est parce qu'il y a eu une prescription, etc. La bourrache aussi, il faut se méfier. Alors Christine, quelle fleur du jardin ou sauvage on peut utiliser en attendant de pouvoir sortir acheter les infusions de la cabane à plantes? Alors Christine, eh bien écoute, déjà je te salue, je suis très heureuse que tu suives ce live parce que je connais Christine. En ce moment, tu peux trouver donc de la bourrache, tu vois, j'ai mis des fleurs de bourrache ici. On peut trouver du calendula, du souci des jardins. Donc ça c'est très bien en infusion. En ce moment le romarin est fleuri, tu vois, les petites fleurs super en infusion. Et puis en ce moment on va avoir encore des primes verts, on va avoir de la violette, on peut mettre des pétales de pissenlit. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre comme fleurs en ce moment dans la nature? Bientôt, alors là le lilas commence. Le lilas c'est comestible, hein, ça peut être très joli dans une infusion.
Et puis, on va avoir bientôt le sureau qui va fleurir, donc ça sera plutôt début mai. Voilà, donc on trouve plein de fleurs dans la nature. Il y a aussi le... J'ai mangé le nom. le lierre terrestre que tu connais, Christine, je le sais, et que tu peux ajouter dans les infusions. Voilà. Et bien voilà, donc pour l'instant, pas d'autres questions. On va revenir un petit peu sur la soupe pour voir comment ça avance la cuisson. Ça cuit bien. J'espère que je ne fais pas trop de baie sur la caméra. Chose qu'on n'avait pas pensé forcément. Alors là, on a notre petite menthe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les feuiller. Je vais revenir devant la caméra là, comme ça, je vais les feuiller tranquillement pendant que je vous parle. En fait, là, la menthe, on ne va pas utiliser la tige, c'est pas très utile. Et en fait, les feuilles, on va les mettre à la fin parce que c'est là où elles vont vraiment donner du goût. Si elles se cuisent trop, on va plus sentir le goût mentholé, donc ce serait dommage. On va vraiment les mettre à la fin en infusion, en fait, dans notre soupe. Et après, bah, quand on mixera, il y aura bien le goût mentholé, frais, ça va être hyper agréable. C'est une soupe qu'on peut tout à fait consommer froide en fait. Là, on l'a fait chaude, mais comme il fait très chaud aujourd'hui, moi je vous conseille même de la prendre plutôt après, là, quand elle aura bien refroidi. Voilà. Donc la menthe, alors ça, vous voyez ce que je suis en train de faire, défeuiller la menthe, c'est quelque chose que je fais régulièrement quand je fais mes cueillettes, parce qu'en fait, après avoir cueilli tout ce qui est menthe, mélisse et tout ça, j'effeuille avant le séchage. C'est très important pour que la plante ne noircisse pas. Et surtout, ça permet après de juste ensacher directement derrière. La plante est triée d'avance. C'est assez super de pouvoir faire comme ça. C'est beaucoup de travail, c'est très long, mais c'est méditatif. Et c'est un moment à partager avec, par exemple, un bouffeur. Moi, j'en reçois beaucoup de bouffeurs. On discute en triant les feuilles. Et voilà. C'est pas, mon métier est pas stressant, hein. Je fais un métier en lien avec la nature. Voilà, c'est juste long et minutieux, mais c'est plaisant. Voilà, alors je regarde si vous avez d'autres questions. Il y en a une nouvelle, Nadia, qui se demande si on peut infuser fraîche juste après la cueillette. Évidemment, Nadia, on peut vraiment infuser juste après cueillette, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, on va avoir toutes les bonnes choses des plantes. Alors, il y a des choses que je ne vous ai pas dit pour la cueillette, c'est très important à retenir. On cueille une plante vraiment quand elle a eu le bon soleil sur elle, pas juste après une pluie par exemple. On va essayer de faire en sorte qu'elle se soit gorgée d'huile essentielle en fait. Et pour ça, il faut qu'elle ait passé un petit moment au soleil, donc plutôt en fin de journée, quand vraiment ça a bien tapé. Et puis rarement 2 jours après une pluie ou le lendemain d'une pluie, c'est pas le bon jour. Après, si c'est pour une infusion fraîche, comme ça, rapidement, à faire à la maison, c'est pas très grave s'il a plu juste avant. Mais si vraiment on veut obtenir des plantes de qualité au séchage, nous, les producteurs, on obtient ça si la plante a été dans des conditions favorables. Et donc, les conditions favorables, c'est qu'elle ait vraiment pris le pollen, le soleil. Je pense au pollen parce que je pense aux fleurs. C'est pareil, des fois, on va attendre que les petites abeilles se servent. Quand on va voir que les abeilles arrivent, c'est que voilà, elles sont super à accueillir, c'est le moment. Faut pas attendre trop longtemps. Le bleuet, la mauve, c'est de la cueillette quotidienne, des fois 2, 3 fois par jour, parce qu'en fait, elle s'altère très vite et il faut vraiment veiller à avoir une belle qualité. Voilà. Ensuite, j'ai des nouvelles questions. Barbara. Salut Barbara. Je connais Barbara aussi. Est-ce que les fleurs sont sèches, même façon que les plantes? De la même façon. Oui, on sèche. Oui, ça y est, je comprends la question. On sèche les fleurs exactement de la même façon que les plantes. Noir, pas d'humidité. Alors moi, très important, dans mon séchoir, j'ai un déshumidificateur. Le déshumidificateur me permet quand même de pas avoir trop d'humidité, de chauffer un petit peu ma pièce en hiver, etc. On a une autre question. Je vais mal prononcer le nom, mais je crois que c'est Yen. Comment réaliser une infusion de fenouil? Ah oui, c'est très intéressant cette question, parce que c'est vrai que toutes les graines, c'est pas du tout la même chose. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on a du fenouil, des belles graines de fenouil. Ces graines de fenouil, effectivement, quand on sent comme ça, elles ont un parfum qui est pas très fort. Donc en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, on va les piler. Moi, en fait, quand je fais une infusion, quand je crée une infusion ou quand je crée des épices, enfin des condiments pour la cuisine avec le fenouil et les graines en général, je les broie un petit peu.
Je les mets pas comme ça entières, je les broie un petit peu pour que à l'infusion ça soit aussi rapide que la feuille. Parce que dans un mélange, forcément, on a les deux, donc il faut que ça soit exactement le même temps d'infusion. Donc je broie. Mais par contre, si vous avez juste des graines de fenouil, oui, la décoction c'est mieux. Donc je vais vous expliquer d'ailleurs maintenant quelle est la différence entre une infusion et une décoction. Et effectivement, les graines, je vous conseille, si elles sont seules, de les faire en décoction. Donc, quelle est la différence entre une infusion et une décoction? L'infusion, donc que nous avons préparée ici, on va la mettre dans une petite théière, comme celle-ci par exemple. On va prendre une bonne poignée de plantes entières. Hop. Voilà. Et puis, une fois qu'on a mis ces plantes, je vais chercher ma bouilloire. On va verser l'eau chaude. Donc, une eau à 90 degrés. Très important de ne pas dépasser les 90 degrés, voire les 80 degrés. Donc là, il y a des bouilloires qui maintenant indiquent la température. Sinon, vous laissez bouillir, vous attendez un petit peu avant de verser sur les plantes. Parce qu'en fait, si vous versez trop chaud, ça va casser les molécules. Bon, moi, je suis très nulle en chimie, hein, mais en gros, c'est ça, qui vont vous permettre d'obtenir une infusion avec toutes les bonnes vertus des plantes. Donc, on laisse comme ça infuser 10 minutes. Minimum, parce que si on n'a pas une infusion, c'est pareil, on est sur de la plante entière, donc ça va pas bien, c'est pas une poudre dans un sachet quoi, c'est moins rapide. Donc du coup, il faut vraiment que ça se mette bien dans l'eau longtemps, donc 10 minutes minimum. Voilà, donc ça c'est pour l'infusion. Pour la décoction, je vais pas la faire devant vous, mais je vous explique. En fait, la décoction, l'idée c'est de venir mettre la plante dans de l'eau froide qui va monter doucement en température. Et qui va rester infusé après dans l'eau pendant 20 minutes. Donc, vous mettez votre plante dans une casserole avec de l'eau, donc autant d'eau que vous avez besoin. Vous mettez donc votre plante dans cette eau froide, vous allumez le feu, vous montez en température, vous couvrez, et là vous arrêtez le feu et vous laissez vous essayez de faire frémissement, hein, vous ne faites pas bouillir. Et vous laissez comme ça en décoction pendant une vingtaine de minutes. Voilà. Et là, vous consommez tout au long de la journée. Alors, très important, les infusions, on peut en préparer une grosse quantité, les mettre au frais, et puis ça sera très bien pour boire tout au long de la journée. Mais aussi, ça c'est quelque chose que les gens ne savent pas toujours, cette infusion par exemple qu'on a fait là, avec de la menthe, c'est génial, on peut la faire à froid. C'est-à-dire qu'on va mettre nos plantes, alors là, pour le coup, on n'abîme pas du tout les plantes, on met dans de l'eau froide. Par exemple, le soir et le lendemain, on aura notre infusion qui sera faite. Vous allez voir, ça va avoir un goût un petit peu différent, mais ça sera très très plaisant aussi de boire une infusion froide comme ça, qui n'a pas été du tout chauffée. Donc la plante va prendre complètement, l'eau va prendre complètement le goût des plantes, mais dans de l'eau froide, et ça n'abîme pas du tout les plantes. Je regarde les nouvelles questions. Cassandra, est-ce qu'une décoction a plus d'effet qu'une infusion? Eh bien, si on part du principe de ce que je viens de dire, Cassandra, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, la décoction aura certainement plus de vertus, dans le sens où on aura moins abîmé la plante parce qu'on va moins monter fort en température et elle aura plus de temps aussi pour infuser dans l'eau. Peut-on faire sécher des plantes que l'on cultive sur son balcon, Lorena? Eh bien oui, tu peux faire sécher tes plantes si tu les consommes crues comme ça, tu peux tout à fait les faire sécher, il n'y a aucun problème. Effectivement, une plante qui va pousser dans une ville, par exemple sur un balcon, je ne sais pas du tout, moi je connais pas ces calculs-là, mais j'imagine qu'il y aura un peu de pollution. Après, si vous la rincez bien avant, si vous faites attention, normalement, je pense que voilà, vous pouvez aussi faire pousser un beau pot de menthe dans votre cuisine, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Sèche ou fraîche, les fleurs à infuser sont-elles les mêmes? Ont même les mêmes qualités? Ah oui, d'accord. Donc ça c'est Caroline qui veut savoir ça. En fait, vous voulez savoir si sèche ou fraîche, est-ce qu'elles ont les mêmes qualités? Je pense qu'une plante fraîche, mais ça c'est moi qui vois ça de mon regard de productrice et à force de consommer mes plantes, je pense qu'une plante fraîche aura quand même plus de vertus parce qu'elle vient d'être cueillie et que forcément c'est comme un légume qui vient d'être cueilli, il a beaucoup plus de bonnes choses. Mais quand même, le séchage permet de conserver la plante sans lui retirer aucune chose. C'est-à-dire que juste, elle va enlever son eau. Et le reste, tout reste, ça se concentre même. D'ailleurs, souvent, une plante sèche est plus forte au goût qu'une plante fraîche. Par exemple, le thym a un goût très différent quand il est sec que quand il est frais. Et d'ailleurs, le thym sec
va retrouver son goût uniquement à la cuisson. Si on utilise du thym sec comme ça parsemé sur un plat, on ne trouvera pas de goût. Donc voilà, après, tout dépend des plantes aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Daniel. Pour la décoction, on laisse à frémissement 20 minutes. Non, on monte à frémissement, on couvre, désolé pour le chien, on couvre et en fait on arrête le feu. Hein. Après ça va reposer 20 minutes dans l'eau qui a frémi. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vous propose de retourner au-dessus de notre casserole, on va aller mettre les feuilles de menthe. Alors, avant, on va regarder comme ça. Ça cuit, je pense que là on est largement à 20 minutes, je sais pas trop regarder le temps, mais ouais, c'est bien cuit. Donc normalement vous laissez moins cuire que ça, hein. C'est 20 minutes grand maximum. Parce que là ça va perdre le goût. Donc on va mettre nos feuilles de menthe et puis on va les laisser infuser un petit peu. Hop, voilà, vous voyez on voit bien l'ortie là, bien réduit avec les pommes de terre. Voilà, alors la menthe là ça va vraiment apporter une super saveur, vous allez voir ça va être très très agréable avec l'ail en plus. Ça change un petit peu de la soupe ortie de base, ça fait un petit peu un plat plus de saison là en ce moment, on a envie de fraîcheur. Donc on va laisser infuser les feuilles de menthe. Eh bien écoutez, voilà pour l'infusion, je regarde si vous avez d'autres questions, parce que bah écoutez, je crois qu'on va pas trop tarder si vous en avez plus. Pour l'infusion froide, faut-il des plantes sèches ou fraîches? Non, les deux ça fonctionne. En fait, moi ce que je fais l'été, c'est que je fais des eaux aux fleurs et aux plantes fraîches que je trouve dans mon jardin de saison. J'en mets plein de différentes sortes. Je fais différents pots en fait, en verre ou enfin oui, des bouteilles quoi, que je garnis de plantes. Je mets de l'eau dessus. J'y laisse infuser à peu près 2 ou 3 heures. On fait ça le matin et puis bah, pour le midi, on a une eau qui a un goût sympa, qui change un petit peu des fois du chlore de notre eau. Et puis, on peut le faire effectivement avec des plantes sèches. Mais c'est parce qu'en fait, moi je le conseille quand je vends mes infusions, je propose aux gens d'essayer l'infusion fraîche, enfin avec de l'eau froide, et de changer un petit peu de l'infusion chaude. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en été, on n'a pas forcément envie de boire chaud tout le temps, et ça peut permettre de boire une tisane régulièrement dans la journée, voilà, qui soit fraîche, et c'est sympa. Alors allez-y pour vos questions parce que je pense qu'on va, on va pas trop prolonger. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Pour l'infusion froide, donc ça c'est fait. Ça doit sentir bon, Cathy. Eh bien oui, ça sent très bon. Ça sent très très bon. Donc là la menthe elle est fraîche, c'est super. Voilà, après pour... donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Christine. Est-ce que la lune a une influence sur la récolte des plantes? Alors ça c'est vraiment une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que ça dépend des croyances qu'on a. Moi je sais que j'ai travaillé énormément avec la lune jusqu'à il n'y a pas longtemps et puis j'ai changé un peu d'avis parce qu'il y a quand même eu des scientifiques, des recherches qui poussent à croire que ces histoires de lune c'est pas forcément toujours vrai, en tout cas pour tout ce qui est semis etc. Il n'y a aucune preuve en fait. Mais bon, quand même, je vois que la lune a pu avoir une influence sur mon sommeil une influence sur la mer, sur plein de choses. Donc du coup, je prends un petit peu en compte la lune. Mais franchement, quand on est en pleine saison, on regarde pas trop si la lune était pleine avant ou quoi pour cueillir parce qu'on n'a pas le temps. Donc je le fais pas. Mais il y a des gens qui le font. Il y a notamment en biodynamie, tout ça, on travaille beaucoup avec la lune. Voilà, c'est très intéressant. Moi, pas trop. Tac, une idée de recette pour une infusion froide. Oui, bah alors, je peux vous en donner une autre. Moi, j'ai une infusion froide qui est très très bien, qui s'appelle la sauvageonne, avec du coquelicot, du sureau, de la feuille de framboisier et de la mélisse. Donc, ces plantes-là, elles sont parfaites en infusion froide. Ça fait une infusion froide un peu rouge, c'est très joli. Et ça c'est une infusion que vous pourrez retrouver sur mon site internet, donc la cabane à plantes, voilà, que je propose et que je propose à faire en froid effectivement. Voilà, donc je sais pas si je vous ai tout montré. Alors pour la soupe, oui c'est vrai que on n'a pas fini notre recette, c'est ça que j'ai pas fini. En fait l'idée là c'est qu'une fois qu'on aura
infuser bien lentement. Hop, voilà, on va venir broyer cette soupe. Alors, je me dis que j'ai envie de vous épargner le bruit du robot, donc je vais pas la broyer devant vous. Mais en gros, la fin de la recette, c'est on broie cette soupe. Et puis après, une fois que c'est broyé, si on a envie, on rajoute une petite pointe de crème. Voilà, et puis ça fait un petit peu plus onctueux encore. Donc à déguster, chaud ou froid, ça c'est comme vous voulez. Je regarde, j'ai d'autres questions. Nathalie, je n'ai pas suivi les ingrédients de votre soupe. Alors, ils seront en ligne, ne vous inquiétez pas, on va les repartager. Je récapitule quand même très brièvement. En gros, on a utilisé de l'ail, des oignons, des pommes de terre, des orties, de la menthe. Je n'ai pas tout dit, mais en gros, c'est ça. Des plantes de saison. Et je vous invite à tourner après sur la page Facebook Mon Jardin, Ma Maison, parce qu'elles seront, les ingrédients seront en ligne, et la recette aussi, d'ailleurs. Voilà, petite précision, donc pour ce live, je vous remercie d'avoir suivi. En fait, ma collaboration avec Mon Jardin, Ma Maison, donc a débuté il y a très peu de temps, parce que j'ai enregistré quelques podcasts sur les plantes, donc ils sont à réécouter sur Spotify notamment et sur plein de plateformes donc de podcasts en ligne. Donc on a enregistré notamment le thym qui a été diffusé depuis le mois de mars. Donc je vous invite à les écouter si vous voulez. Je parle donc de plantes et j'essaye de faire en sorte de bien expliquer la plante dans sa globalité, au niveau du goût, des vertus, etc. Donc vous pouvez écouter ces podcasts. Et puis, vous pourrez me retrouver dans un atelier cuisine ce samedi, parce que je collabore aussi avec la Grange au Savoir-Faire, qui est un endroit super où on apprend plein de savoirs. Et donc moi, je vais vous faire un petit dessert de Pâques au chocolat, et puis aussi des biscuits de Pâques. Donc n'hésitez pas, ce sera à 10h ce samedi 11 avril. Voilà, après, donc, vous pouvez retrouver toute mon actu sur ma page Facebook, La Cabane à Plantes, sur mon site internet, et puis n'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma chaîne YouTube, où il y a quelques vidéos où je vous explique un petit peu mon travail un peu plus approfondi, et voilà. Ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec Mon Jardin, Ma Maison, ou Ma Maison, Mon Jardin, je sais jamais, excusez-moi. Je regarde juste s'il y a quelques questions avant que je parte. Eh bien écoutez, non, il n'y a pas de nouvelles questions, donc on va se laisser, et j'étais ravie. Je vous souhaite bon courage et je vous souhaite de vous porter très bien en ces temps un petit peu dangereux pour notre santé. Faites très attention à vous. Si vous pouvez, mettez-vous au moins la tête un peu au soleil, parce que ça fait du bien aussi de prendre le soleil pour le corps, pour les vitamines. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis j'espère à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce live, au revoir.